moral est bas, comme le taux de natalité. Quand t'as même pas de ticket de l'auto à valider. Et quand tu dis j'aurais peut-être dû me trouver du boulot, pas besoin de chier pour savoir que c'est le bout du rouleau. C'est le moment où même l'été ressemble au mois de décembre, puis que les fumeurs cherchent une poche au milieu décembre. C'est le moment de descendre les bouteilles vides au dette, puis comme il fait pas crédit, va falloir faire avec. Les rues sont dead depuis, après une semaine, y'a presque plus de distributrices de chaleur humaine. En ce beau matin frisquet du mois de mars, je suis en compagnie de Manu Militari. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, merci. Juste pour faire un résumé pour les personnes qui ne connaissent pas un peu, c'est que tu as commencé la musique en 2002, tu as sorti un maxi. Manu Drastic. Drastic, c'était un autre gars qui a fait partie du groupe dans lequel j'étais après, qui s'appelait Rime Organisée. Ça t'intéressait avec ce groupe-là de 2003 à 2006. Après ça, tu as parti ta carrière solo avec Voix de Fait, le premier album. Oui. Fait que là, ton deuxième album, c'est Crime d'honneur. Oui. Puis là, c'est ça, il y a eu quand même 3 ans entre les deux albums. Y a-t-il une raison particulière pourquoi tu as entendu autant de temps? C'est quand même beaucoup de travail quand on veut faire les choses bien. Fait que j'hésitais, je me demandais si ça valait la peine. Mais finalement, l'album a quand même décollé par après. Fait que ça m'a donné le goût de poursuivre l'expérience. Ça fête le feu, les rues sont pleines d'athlètes. Compétition, course à pied, direction l'Instachèque. Parce que l'argent déclenche les passions comme la Palestine. La file s'impatiente devant le Valentine. Ça parle fort, ça se pousse pour avoir sa place. Y a tellement de monde qu'elle dépend à un armoire à glace. C'est le retour du beau temps, le monde est chaud comme à Rio. Malheureusement, c'est aussi le retour du proprio. Ton deuxième album est sorti début décembre, fin novembre. Jusqu'à présent, comment ça va, les ventes? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai pas à me plaindre. Je pense qu'il y a une super bonne réaction. Fait que je suis déjà sur le troisième, là. T'as-tu une date de sortie éventuelle? Non, vraiment pas. Vraiment pas de date. Tu sais, regarde, l'album, ça fait 4 mois qu'il est sorti. Fait que j'ai pas de date, mais je travaille là-dessus. Ouais. T'es reconnu pour être quand même un artiste engagé, mais ce que le monde savait en ce moment, c'est que t'as quand même voyagé beaucoup au début de ta vingtaine. Est-ce que c'est ces expériences-là qui t'ont poussé à avoir ce type d'écriture-là? Oui, entre autres, c'est sûr, quand tu voyages, t'apprends à comprendre les gens, à essayer de les comprendre, en tout cas, parce que t'as pas le choix. T'sais, moi, j'ai fait des immersions totales dans des univers qui peuvent... dans des univers qui peuvent être la planète Mars, là, pour nous, tu sais, quand tu débarques là. Fait que oui, ça aide. Moi, j'aime faire des chansons aussi à caractère social ou psychologique. Fait que c'est sûr que ça aide à comprendre les gens. Au moins, ça aide à faire le travail d'aller vers les autres. Est-ce que ça a changé un peu ta vision du monde? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand tu voyages, tu vois autre chose. Est-ce que tu me contais une anecdote particulière qui t'est arrivée? Une anecdote particulière. Un événement particulier qui t'aurait marqué? Je te dirais un événement qui est... Un événement, je sais pas, un événement, mais quand tu voyages, par exemple, au Moyen-Orient, puis moi, j'ai voyagé dans des... je suis allé en Jordanie à partir de l'Égypte. J'ai pris un autobus avec des gens qui s'en allaient travailler dans le Golfe. L'Égypte, c'est un pays quand même où il y a beaucoup de pauvreté. Fait que souvent, une des façons pour ces gars-là de faire de l'argent, c'est d'aller travailler en Arabie Saoudite, au Koweït, tout ça. Fait que on a pris un autobus ensemble, puis c'est un moment qui était merveilleux. Il y avait une espèce de fraternité entre les gens. C'est un partage, partager les repas, partager les cigarettes, tout ça. C'est peut-être une des choses qui m'a le plus marqué de cette région-là. C'est à quel point les gens partage, surtout quand ils voyagent, tu sais, quand tu prends un train ou un autobus. Tu sais. Puis moi, c'était pendant la période du Ramadan. Fait que c'est la période où, tu sais, quand c'est l'heure de manger, ça devient une fête, puis tout le monde partage. Fait que c'est vraiment... C'est des beaux souvenirs. Fait que t'es pas aussi impliqué juste dans tes chansons, t'es aussi impliqué dans ta vie personnelle. T'as fait un concert bénéfice au Centitune pour l'organisation War Child. C'est une organisation qui m'a approché. Eux autres, leur concept, c'est de faire
de prendre des musiciens puis de les placer soit dans un centre commercial ou dans un métro. Fait que d'être vraiment proche des gens puis de ramasser de l'argent pour les enfants qui sont touchés par la guerre un peu partout dans le monde. Fait que, ouais, je l'ai fait, c'était super agréable. Ça a permis de ramasser de l'argent aussi, je pense. Mais à chaque fois, je vais te dire, je me défends toujours de d'être impliqué autant dans mes chansons que dans ma vie personnelle parce que je me considère pas comme quelqu'un de si impliqué que ça. Pour moi, quelqu'un qui est impliqué ou quelqu'un qui milite, quelqu'un qui fait bouger les choses, c'est pas moi, ce serait mentir de le dire. Moi, je fais de la musique, j'écris des textes, puis je vais prendre position des fois par rapport à un sujet. Si je peux faire quelque chose, je peux aider, tu sais, je vais le faire, mais je me considère pas comme un... Je pense que les gens ont perdu de vue ce que c'était vraiment d'être engagé, là. En terminant, y a-tu un site web où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur toi? Oui, c'est le manu-military.com. Puis vite vite, as-tu des concerts qui s'en viennent bientôt? Ben, la meilleure façon, c'est d'aller voir sur le site Internet. Ben, merci beaucoup, puis ben, bonne chance, parce qu'aujourd'hui, il faut souligner que tu s'en vas au Mont-Tremblant, une journée chargée. Ouais, ouais. Le rock qui va se coucher, j'arrive avec le style qui tue à la mort couchée. Pauvre con, t'auras plus besoin de te faire belle. J'ai le son qui te met du plomb dans la serre.